On va écouter Pierre Jovanovic, directeur de la maison d'édition Le Jardin des Livres, nous parler d'un livre qu'il publie, un livre de Mika Waltari. Puisque vous savez, tout le mois de juin, on va entendre parler de beaucoup de livres de Mika Waltari, cet auteur de romans historiques finlandais, connu notamment pour Sinoué l'Égyptien, mais pas seulement. On va entendre parler du Serviteur du Prophète. On vous avait parlé de Rome, on vous avait parlé de L'Escolier de Dieu. Voilà, c'est le troisième livre qu'on vous propose. Un livre qu'on vous propose aussi de gagner à Radio Arc-en-Ciel. Si ça vous intéresse, hein, il suffit de nous appeler au 03 88 79 09 01. Donc le 03 88 79 09 01. Ou alors, vous nous envoyez un mail tout simplement à pierre@radioarcenciel.com. pierre@radioarcenciel.com. Voilà, les premiers seront les premiers servis, tout simplement. Il y a 5 exemplaires de chaque ouvrage à gagner, donc n'hésitez pas. Pierre Jovanovic, bonjour. Alors, après la naissance du christianisme dans Rome, après celle du protestantisme dans l'Escolier de Dieu, de quelle grande révolution on va parler dans Le Serviteur du Prophète de Mika Waltari ? Eh bien, on va parler de l'arrivée de l'influence massive de l'islam en Europe par le biais de la Turquie. Enfin, de ce que... De l'Empire Ottoman. Va devenir la... De ce qui va devenir la Turquie, l'Empire ottoman de Soliman le Magnifique. Et ça, c'est un livre effectivement assez prenant, bien que je ne vous cache pas que je regrette qu'on ait gardé le titre finnois. Parce que dès qu'on met prophète, etc., dès que ça touche à l'islam, c'est très curieux, ça fait un peu peur au lecteur en ce moment, c'est très étrange. Pourtant, c'est un livre tout à fait exceptionnel, parce qu'il est, digne de la grande tradition de Waltari, et il nous montre bien que la nature humaine, que quelle que soit la religion, malheureusement, est toujours la même, hein, dès qu'il s'agit d'ambition, de pouvoir, de trahison, etc. Et surtout, on voit que un pays, un empire, ne se lève que lorsqu'il a un dirigeant, on va dire, un monarque éclairé. Et là, c'est le cas, justement, avec Soliman le Magnifique. Hein, c'est toute l'absolue influence et le goût pour les arts, justement, de cet homme, tout à fait unique, d'ailleurs, hein, qui ressort vraiment dans l'histoire européenne. Et bien entendu, comme d'habitude dans les livres de Waltari, on retrouve les mauvais signes ou les bons signes. Et là, en l'occurrence, le personnage, toujours un second couteau, tombe amoureux d'une femme qui a des yeux verrons. Dans le monde méditerranéen, c'est considéré comme très très mauvais signe d'être regardé dans les yeux par quelqu'un qui a des yeux de couleurs différentes. Je ne sais pas si vous connaissez, particulièrement dans le monde anglo-saxon, ça ne fonctionne pas, puisqu'on a un chanteur extrêmement connu à une certaine époque, qui s'appelait David Bowie, qui s'appelle toujours d'ailleurs, qui justement a les yeux verrants. C'est vrai que ce n'est pas fréquent. C'est pas fréquent. Et du coup, ça entraîne un espèce de revirement du destin, c'est ce qui arrive en tout cas au personnage. D'un coup, son destin est changé suite au fait qu'il voit cette femme aux yeux verrons. Le destin, absolument, le destin est changé. C'est-à-dire qu'à partir du moment où il regarde cette femme dans les yeux, elle n'est pas musulmane, hein, il est sur un bateau et bien entendu, il considère ça comme un très très mauvais signe. Dans les 6 heures où dans la demi-journée qui suit, son bateau est capturé par des pirates musulmans qui se mettent immédiatement en tête de couper la tête à tous les passagers. Et notre personnage central, tout à coup, se souvient d'une phrase du Coran qu'il récite sans trop savoir ce qu'il dit, mais en fait qui signifie sa soumission. Il abandonne sa religion pour devenir musulman, évidemment avec le revolver sur la tempe, si je puis me permettre. Les pirates l'épargnent, le transforment en esclave, et donc il va devenir un esclave. Et comme
il est extraordinairement cultivé, qu'il sait lire et écrire, eh bien progressivement, il va monter dans l'échelle des esclaves, si on peut dire ça comme ça, jusqu'à devenir l'un des proches collaborateurs des principaux du principal bras droit de Soliman le Magnifique. Alors là aussi, hein, ça court sur 600 pages, on découvre Istanbul, on découvre surtout les extraordinaires batailles qui sont menées par les musulmans qui s'emparent d'une partie de l'ex-Yougoslavie et qui veulent remonter jusqu'à la Hongrie. Tous les détails sont, comme à l'habitude avec Voltari, sont rigoureusement exacts. C'est une saga dans cette Europe tout à fait extraordinaire, divisée en deux, et qui voit la montée de l'islam. Hein. C'est un remake de ce qu'on vit aujourd'hui. Hein. C'est assez intéressant d'ailleurs, parce qu'on peut, il y a une double lecture. Hein. Moi, quand je me souviens quand j'avais travaillé sur la sortie de ce livre il y a quelque temps, je me suis dit c'est quand même absolument extraordinaire. Voltari nous raconte une histoire, une montée en puissance de l'islam qui est typique de ce qu'on vit actuellement. Alors que bon, il l'a écrit dans les années 60, et on peut pas dire que il était concerné. Et en même temps, par le prisme de ce personnage, Michael, on suit une histoire qu'on connaît assez peu, parce que on sait peu de choses en fait sur l'histoire de l'islam, l'histoire de l'Empire ottoman. On a eu un peu une éducation historique autour de ces histoires judéo-chrétiennes, et on sait pas grand-chose en fait. Exactement, absolument. Bah, vous savez bien que dans les cours d'histoire, on nous enseigne que certains ont décidé. Hein, voilà. Et il se trouve que Soliman le Magnifique est à l'autre moitié de l'Europe, ce que Louis XIV a été à la première moitié. Sauf qu'on, pour une raison que je veux dire, voilà, Soliman le Magnifique est considéré vraiment comme un second couteau, ce qui est tout à fait faux. Il a conquis quand même une très grande partie de l'Europe, toute la partie de la Méditerranée, la Grèce, ce qui va devenir la Yougoslavie, une partie de la Hongrie a été musulmane sous l'Empire ottoman. Il faut quand même le souligner. Et d'ailleurs, même quand vous allez dans ces pays, il y a une empreinte culturelle qui est omniprésente, notamment en termes de cuisine, notamment en particulier en termes de musique, et surtout de tradition de vie quotidienne. Hein, c'est très net. En Grèce, moi, je l'ai vu ça. Et c'est vrai que la frontière avec la chute d'Istanbul, hein, de Constantinople, on a vu les conséquences. On voit les conséquences dans ce livre. Mais c'est vrai que de tous les livres de Voltari, celui-ci, à cause du titre, hein, justement, oui. Ce qui est dommage d'ailleurs, parce que c'est totalement injustifié, comme je vous l'ai dit. Mais dès que vous avez prophète ou islam dans le titre d'un livre, ça ne se vend pas. Surtout en ce moment, forcément. Oui, surtout en ce moment. Et c'est bien dommage parce que donc j'espère que vos auditeurs font la part des choses. voilà, parce que ça fait partie, si vous voulez, de toute cette saga historique absolument stupéfiante que Mika Voltari nous a laissée. Et puis vous parliez de culture, c'est vrai qu'on découvre aussi la culture par le biais de ce personnage, de Soliman le Magnifique. On visite l'intérieur de son palais qui est décrit, qui est vraiment très bien décrit, quoi, dans les moindres détails, etc. Non seulement c'est décrit dans les détails, en plus Mika Voltari a travaillé avec une documentation historique extraordinairement précise qui a été traduite. Il a été d'ailleurs sur place et on rencontre d'ailleurs vous savez, il y a un grand mystère aujourd'hui dans le monde de la cartographie, de la géographie, pardon. C'est cette carte qui est toujours exposé à Istanbul et qui est une carte complète de l'emplacement des États-Unis, donc du Nouveau Monde, alors que c'est une carte qui a été dessinée bien avant que Christophe Colomb n'y mette les pieds ou que les navigateurs espagnols et portugais commencent à redessiner une nouvelle carte du monde. C'est tout à fait c'est la fameuse carte de Piri, si mes souvenirs sont bons. Et cette carte est un mystère et il semblerait donc que les navigateurs turcs justement aient découvert des choses tout à fait extraordinaires, mais qu'à cause de l'écriture, eh bien justement ce savoir n'a jamais
n'est jamais pas passé trop. de voilà dans notre langue, enfin en écriture latine, on va dire. Et ça, c'est très intéressant. Et comme d'habitude avec Valtari, le Michael, donc ce personnage, rencontre en particulier tous les personnages historiques de l'époque. Et surtout, il se convertit à l'islam, donc il raconte sa conversion à l'islam. Mais il raconte aussi que malgré ses prières forcées, machin, etc., la Vierge Marie qui habite son cœur ne peut absolument pas le quitter. Et d'ailleurs, on voit bien qu'il revient, en fait, il finit par assimiler, bien entendu, toutes les religions et que il considère bien, il se rend bien compte que chaque religion, en fait, finit par servir ou asservir un système politique. On ne sait pas trop d'ailleurs lequel a servi l'autre. C'est surtout ça qui ressort du livre de Valtari, et bien entendu des séjours absolument fabuleux avec toutes ces centaines de femmes qui sont tenues dans le château, enfin pas dans les châteaux, dans le palais. Dans le palais là de Soliman, c'est absolument merveilleux. Une description d'Istanbul avec au coucher du soleil qui m'a tout, qui, en tout cas personnellement, qui m'a vraiment vraiment donné l'envie de découvrir la Turquie, en particulier cette ville, et bien entendu Sainte-Sophie qui est au centre du livre. Donc c'est un livre entre deux mondes. Hein. C'est un livre, bien entendu, ça raconte la montée de l'islam, la première grande montée de l'islam. Et aujourd'hui, on vit la seconde montée de l'islam. Et ce qui est très curieux, voyez-vous, avec Valtari, c'est que c'est vraiment un écrivain annonciateur, quand même. Moi, je sais que ça m'avait vraiment étonné. Et puis on traverse une Europe en guerre, quand même. Hein. On parlait de la guerre des Rustos dans l'Escolie de Dieu. Ici, c'est encore plus grave. Hein. C'est la guerre entre chrétiens et musulmans du XVIe siècle qu'on traverse un peu. Non, non seulement c'est la guerre entre chrétiens et musulmans. Vous voyez également la barbarie qui fonctionne effectivement des deux côtés. Mais surtout, là, pour tous les amateurs de marine ancienne, et tu le sais, si en France il y en a beaucoup, à cause du passé historique, du passé marin historique des Français, là on a des batailles navales, là aussi racontées par Valtari, mais c'est tout à fait extraordinaire, on y est quoi. La scène de Ben Hur à côté, c'est tout à fait anecdotique, on va dire. Pas besoin d'effets spéciaux quand on sait bien raconter. Pas besoin d'effets spéciaux, voilà. Parce que Valtari recrée dans notre tête vraiment tout ce qu'on. Bien mieux que n'importe quel film, en tout cas. C'est un livre qui se lit vraiment avec plaisir. Merci Pierre Jovanovic d'avoir répondu à nos questions. Donc on rappelle. Merci à vous. Ne vous fiez pas forcément au titre, Le serviteur du prophète. On rappelle qu'on trouve toutes les informations sur votre maison d'édition, Le Jardin des Livres, notamment sur les livres de Mika Valtari, mais pas seulement, puisque vous publiez des livres dans beaucoup de registres différents, sur votre site internet www.lejardindeslivres.fr et sur votre page Facebook aussi, notamment Le Jardin des Livres. Et on vous rappelle que comme chaque semaine, vous pouvez gagner ce livre de Mika Valtari, Le Serviteur du Prophète, en nous appelant au 03 88 79 09 01, 03 88 79 09 01, ou en nous faisant un mail à pierre@radioarc-en-ciel.com. Voilà, vous connaissez le principe, les premiers à nous contacter seront les premiers gagnants, sachant qu'on a 5 exemplaires à vous faire gagner.